Tu veux qu'on prie pour toi? Hein? Tu veux que je prie pour toi? Alors, ce qui se passe dans sa vie, c'est la sœur à son père, qui est sa tante, qui a un problème, elle a vu que le petit va réussir dans sa vie. D'accord? Alors, elle est venue la nuit, et puis elle a pris sa chance, elle est partie avec. Elle est sorcière, mais elle travaille avec un esprit de forêt. C'est pour ça que lui, ils l'ont mis, je ne sais pas si je dois dire, je dois tout parler. Je dois tout dire. Ils lui ont mis dans la drogue. Ils lui ont mis dans la drogue. Et je suis en train de voir que il y a des dealers qui vont la battre et battre. Et sa vie en danger. Alors, si vous ne croyez pas que son père me rencontre et qu'il appelle sa soeur, je vais lui parler. La vie de l'enfant en danger. Hein? J'ai parlé avec elle. J'ai dit, mon fils, il y a un problème. J'ai dit, non, c'est pas ça. C'est pas sa famille. C'est ma famille toujours. Il est seulement. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, va délivrer. Amen. Ton problème qui se passe, il est sérieux. Hein? Tu l'as délivré. Ça te choque pas ce qu'il a dit? Ça t'a choqué? Qu'est-ce qui t'a choqué? Hein? Non, mais ça, peut-être que tu n'as pas écouté. Tu as entendu ce qu'il a dit, mais sans comprendre ce qu'il a dit. C'est deux choses différentes. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'il faut qu'on en parle après. Alors, je n'aimerais pas que ça crée des histoires dans votre famille, d'accord? Elle le suit, hein? Elle le suit partout où il passe. Elle fait tout pour ne pas qu'elle soit libérée. D'accord? Son âme, elle a mis ça dans un cardinal. Bref! Mais Dieu va le délivrer. Amen! La dame, elle est abattue. Je vois quelqu'un qui est inconscient. Hein? On va prier pour lui. Amen. Je vais t'aider parce que ta vie est en danger. D'accord? Il faut que tu prennes conscience aujourd'hui. La vie, on ne vit qu'une seule fois. Je ne dis pas les choses parce qu'il faut dire. Parce que j'ai le don prophétique. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Ta tante est dans ta vie. Tu as compris pour toi? Comme ici, il y a trop de choses, il y a des petits détails, elle lui dit tout de suite, ta. Mais je m'abstiens. Baris, je suis en train de voir quelque chose pendant que je prie pour lui. Je vois la sorcellerie dans ta famille qui est en train de préparer un accident de circulation sur ta vie. D'accord? Et là, je suis en train de voir que tu es tombé, c'est-à-dire dans une voiture, et je vois une civière, c'est-à-dire je vois un SAMU, je te vois déjà tombé, c'est-à-dire mort. Ils sont en train de couper dans un ravin les portières. Et je te vois sortir de là. Et sur une civière, ils sont en train de partir avec toi.
guéris. C'est-à-dire, donne-moi un choix. Donne-moi un choix. C'est trop prophétique aujourd'hui, c'est trop fort. Un choix. Et en même temps, la même chose, ta femme sera attaquée. Et précisément, elle sera attaquée le 6 janvier. Ils vont la foudroyer par un AVC. Parce qu'elle ne supportera pas. Normalement, c'est préparé. Mais on va prier pour que Dieu t'éloigne de ça. Parce qu'ils ont décidé cette année-là que tu meurs. C'est-à-dire, coûte que tu ne dépasses pas cette année. La sorcellerie de ton village a décidé. Il faut qu'on parle après. Oui, parce qu'il faut qu'on parle. Parce que la vision que je vois, c'est trop fort. Ça me choque. Parce que je te possède, je t'aime. C'est trop fort l'image que Dieu me montre. Tu t'as dit, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est comme si mes enfants me découlaient les larmes. Vois, il va arriver ce qu'on entend de que Dieu t'aide. Amen. 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 La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Le guéris son âme. Le guéris son âme. Il a besoin aussi de vivre sa vie pour pratique mystique de la sorcellerie sur sa vie. Je détruis dans le nom de Jésus. Libéré. C'est un ordre. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je libère ton âme, je brise ce cadenas mystique dans lequel ton âme se trouve. Tu ne peux pas faire parler avec papa, son papa. Tu me promets, tu comprends le français. Oui. Tu ne peux pas faire. Oui. Aïe. Il voudrait qu'il y ait un bon mari d'allemand. Tu vas faire parler. Aïe, aïe, aïe. Non, papa, il ne comprend pas dire ok. Alors. Dieu en train de libérer ce fils. Toutes ces voyousies, ces petites choses qu'il faisait, c'était pas simple, d'accord? D'accord? Lâchez-le. Lâchez-le. Thank you.
vais m'excuser, j'ai débordé un petit aujourd'hui un peu dans le temps. Hein? J'ai débordé un peu dans le temps. Hein? Parce que je vous ai déjà dit, quand je rentrais dans la salle, j'ai senti une onction prophétique. C'est trop fort. Hein? Lâchez-la. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Nazareth. Lâchez sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Libérez-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dégagez. Vous êtes venu avec qui? Pardon? Vous êtes venu avec qui? Qui vous invite ici? Vous m'invitez là? Oh là là! Non. Ah, je protège. Alors, donnez à quelqu'un que vous connaissez qui va protéger. Ça. Wow. Il y a des millions de dollars. Alors, montez-moi les examens. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous savez que le processus de guérison serait guéri tout de suite? Vous croyez à ça? Oh! Je ne vous vois pas trop éveillé là. Amen. On dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous avez? Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Tu m'as dit au téléphone. Hein? Les kystes. Ok. Mais la suite, c'est ce que je veux entendre. Oui, je sais que vous avez le cancer. Oui. Ah, donc c'est le résultat. D'accord. Vous avez un prochain examen? Non. D'accord. Ok, ça c'est tout le résultat. Ok. Hein? Ils sont en train d'évoluer, c'est ça? Vous croyez que Dieu peut vous guérir? Suivez. Suivez ça. Qu'est-ce que vous dites que Dieu peut vous guérir? Parce que je sais que c'est lui le maître. C'est lui qui a été envoyé par son frère pour nous sauver. Est-ce que ça veut dire, je vous dis déjà, vous puyez une odeur de mort. Quelqu'un vous a déjà dit ça? Non? Vous puyez une odeur de cadavre. Puyez ça. D'accord? Alors, ok, je crois à ces résultats. Mais je crois à votre guérison. C'est-à-dire au-delà de la circulation. Je le dis parce que je sais que maintenant, Jésus va te guérir. Amen. Amen. Je ne sens pas la main de votre bouche. Amen. Je bouge par conviction. C'est comme ça que nous marchons. C'est poussé par l'esprit que les gens parlaient de la part de Dieu. Le cancer va te descendre dans les semaines qui suivent. Amen. Ça allait te descendre. Il n'y a plus d'issue pour toi. La chose est scellée. J'ai tourné là. Vous croyez que Dieu peut vous guérir? Amen. Vous croyez à ça? Alors, je vous touche maintenant. Voilà, je vous touche maintenant. Et recevez votre miracle. Jésus te guérit. Depuis ta tête jusqu'à les plantes de tes pieds, une force de Dieu te guérit. Reçois. Go! Le miracle de Jésus dans ta chair,
Non, laissez Pam Pam là. Hein? Ça me déconcentre. Aujourd'hui, là, les gens, on est trop dans le prophétique. D'accord? Alors. Sors! Nom de Jésus! Hein? Je libère ta chair. Je libère ton sang. Et je libère tout ton être par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je reviens. Ça va, vous? Je vous vois le visage, ça va? Ah, ça va pas? Ah, donc, c'est quand ça va pas, vous cherchez? Non, je ne sais pas si ça va. Aïe! Pourtant, ça fait comme il est temps, plus de 6 mois que je ne vous ai pas vu. Non. Avant le confinement, tu ne venais pas? Au moins, dis-moi la vérité. Je suis physionomiste, hein? Quand il me balade comme ça, je regarde le visage des gens, je vois les choses. Ou bien moi, c'est quand ça ne va pas, vous venez, quand ça va, vous restez. C'est comme ça que je suis. Vous me prenez comme ça. Hein? Hein? C'est le père qui s'adresse à sa fille. Tu comprends? C'est moi qui peux te parler comme ça. Vous me cherchez, quand c'est difficile, quand ça va, vous ne payez pas vos dîmes, vous mangez. Ah, il faut que je dise la vérité aux gens. Parce que si on paye, c'est ce que vous devez comprendre, qu'ils sont nous. Donc, même si vous ne venez pas, cherchez à rentrer en contact et puis dire, je veux contribuer parce que là où ça est, là, ça m'a fait du bien. Ça va? Alors, viens que je suis pour toi. Qui va finir? C'est quand? On parle fin du mois. Fin du mois? J'ai déjà choisi, c'est comme un peu. Comme et puis j'ai rentré dans cette salle, j'ai senti une force de Dieu. Vraiment, ils ont déjà pris ta femme dans la sorcellerie. Elle part au funérail, elle n'est plus revenue. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Je suis dans votre main. Non, tu es dans la main de Dieu. Dieu, merci. Alléluia. Il y a trop d'esprit de mort. Ceux qui avaient programmé cette mort prennent ta place. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ouais. Comme c'est bon, prends sa place. C'est comme ça. David dit, attaque ceux qui m'attaquent. La puissance. Je proclame sur ta vie la grâce de Dieu. Alors, les deux,
Lâche-la. Hey! Feu! La puissance de Dieu. Commande! Hey! La puissance de Dieu. Hey! Lâche-la. La puissance. La puissance. Vous serez tous délivrés au nom de Jésus. Amen. Je vous avais déjà dit tout à l'heure. Je vous ai dit ça tout à l'heure, quand je rentrais dans la salle, j'ai eu une décharge dans le son. Amen. Et avant de prendre la parole, je vous ai dit, l'onction est au cas dans la salle. Amen. Alléluia. J'ai prié Dieu que Dieu vous fasse la grâce et qu'il vous donne la capacité de voir dans le monde spirituel. C'est-à-dire, si vous voyez ce que je vois, mais attends, ça va vous donner cette rage de pouvoir combattre même les yeux des ténèbres. Ancien, suis le mouvement. Si je suis un cas, ce n'est qu'un toujours. D'accord. Vous savez ce qui se passe dans la vie de cette dame? Genre, il y a un serpent, n'est-ce pas, qui est dans sa vie et qui récupère tout, qui prend tout et qui contrôle sa vie. Généralement, quand on dit serpent, c'est le dragon. Vous savez ça? Bon, on appelle ça Bagbamele. Comme ça, vous allez avoir peur de ça. Bagbamele. Oui, vous voyez quand il dit serpent, vous voyez ça à ma brave. Non, Bagbamele. Comme ça, c'est sérieux. Vous voyez ma brave. Non, ce n'est pas question de ma brave, c'est Bagbamele. Bagba. Le dragon. Chadé. C'est une église de délivrance. Les démons n'ont pas leur. Vous voyez comment l'esprit se manifeste. Ici, les démons n'ont pas leur chance. Vérité, vérité, vérité. Tu es possédé, tu seras dépossédé ici. Amen. Tu vas quitter sa vie. Voilà, quitte sa vie. Quitte sa vie. Vous voyez une personne normale qui assise, qui chante, qui parle. Dès que vous voyez, elle est dans un état second. Mais maintenant, là, c'est l'esprit qui en est qui est en train de se manifester. Je dis, vous êtes là, vous marchez, vous mangez quelqu'un, vous mangez kabato, sauce arachide. Oh, le démon est là. Ils sont là, ils marchent, ils sont dedans. Tu manges un peu, lui mange un peu. Tu vois même ton sang à cette duvet. Et voir rosé. Comme ça ici. Toutefois que l'esprit est dans sa vie, il détruit tout. C'est ça le danger d'un démon. Quand un démon est dans sa vie, il détruit. C'est comme l'onction quand ça dans ta vie, ça impacte tout autour de toi. C'est pour ça que. Mmh.
vous n'allez pas prier par vous-même. Vous êtes dans une église où l'Esprit de Dieu peut vous toucher et vous délivrer. Vous n'avez pas remarqué depuis 3 semaines, 3 dimanches, l'onction fait que les grands jours. Hein? La vie des gens, elle est là, mais est-ce pas? Il y a un démon qui contrôle sa vie. Elle pense que c'est ce sont des esprits. Là au nom de Jésus. Fermez la porte, fermez. Elle m'avait déjà prévenu, fermez. Feu!
Fais sur toi, allez, commande. Allez. C'est comme ça quand le dragon est là, non plus, si ça va. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Sors d'elle. Libère-la. 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 Et Madame Evaris, avec ton mari, vous me voyez impérativement après la prière. C'est une urgence. D'accord? Il faut qu'on prie pour vous deux. Pourquoi le diable, il vous touche et puis j'ai l'impression qu'il a une victoire sur vous. On va parler.
prends, s'il te plaît. Allez, lâche-la. 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 Allez, comment ? Lâche-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu m'entends ? Tu vas libérer sa vie. Tu vas libérer sa vie. Aujourd'hui même, je t'ordonne de quitter sa vie. Sors d'elle. Tu m'entends ? Sors d'elle. Voilà, sors d'elle. Va-t'en. 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 Vous qui venez ici, là, ne me voyez pas, non, vous avez des problèmes, vous venez, là, vous avez... quand vous êtes bien, vous partez, quand vous avez des problèmes, vous venez, ça c'est pas bon, hein. Hein? Parce que dans la vie, il faut savoir entretenir les relations. Vous venez quand vous êtes possédé, ceux qui sont pas possédés, ils vont, c'est là-bas vous partez, quand vous venez de vous délivrer, non, c'est ça, vous voyez pas la sueur qui est dans mon dos. Je transpire. Nous aussi, il y a des jours, on a envie de les battre, on ne veut pas suivre. Ils viennent me demander, c'est fini, tu as fini de prier, c'est ma délivrance. Ça veut dire qu'elle ne va plus venir. souvent, je vous regarde. Oh là là, donc ça veut dire que vous me voyez un délivreur, c'est fini, vous partez. Si vous n'entretenez pas cette délivrance-là, vous donnez la possibilité au démon de devenir sept fois plus puissant. C'est ce que la Bible dit. Comment tu t'appelles? Salut-moi. Regarde-moi. Ça va? Hein? Ça va? Comment tu t'appelles? Tu connais pas ton nom? Ben, dis-moi ton nom. Hein? Adam. Ah? Adam. C'est tout? Tu t'appelles Adama, c'est fini. Adama seulement. Moi, il m'appelle Krasou, Joro, Joël, Shalom. Toi, tu t'appelles Adama, c'est fini. Ah ah! Je sais qu'il y a petit quelque chose qui va venir. Tu es musulmane? Non. Tu es chrétienne? Depuis quand? Ça fait longtemps. Alors, tu sais ce qu'il y a en toi? Tu sais pas? Qu'est-ce que tu disais tout de suite? Tu sentais quoi, toi? Je sentais quelque chose. Hein? Je sentais quelque chose, mais je ne sais pas. Ah, tu sais pas? Ah, tu sais pas? Maintenant, tu sens plus ça? C'est fini, tu es délivré. Tu vivais avec un serpent qui était dans ta vie, qui avalait tout, qui détruisait tout autour de toi, qui était dans ta vie, hein? On appelle ça Baba Mene. Il faut dire Baba Mene. Encore. Baba Mene. Allons-y. Baba Mene. Baba Mene. Baba Mene. Très bien. C'est le dragon. Tu comprends? Allez, vas-y, vas-y. Vous êtes de quelle origine, madame? Vous êtes de quelle origine? Vraiment, laisse-la. Vous vous connaissez? Oui, oui. Oui. Ok. C'est ici, il est vu, hein, mais ça va. Oui. Venez, 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 venez. Vous êtes de quelle origine? Sénégal. Sénégal. Gambie, Sénégal, c'est pas.
Ça va pas du tout. J'aime trop à faire, non? C'est ça qu'à Jésus. Depuis quand? Quelle est la dernière fois que tu venais ici? Hein? La toute dernière fois. Parce que je connais. Hein? C'est janvier, vite, vite. Et est parti. On est dans quel mois? Juillet. Confinement, ça a commencé quand? Mars. Ah. Donc, tout ce petit temps, j'étais où? À la maison. Ah. Bon, à la maison, maintenant, il y a eu problème. Ah. Vous voyez, c'est-à-dire, vous-même, vous cherchez et puis vous trouvez ça. Vous comprenez? Parce que quand on commence à vous suivre spirituellement, quand on commence à prier pour vous, connectez-vous à Dieu. Parce que le fait même qu'on chasse un démon, hein, ça ne veut pas dire que c'est fini. Lui, il revient après à la chasse. Et quand il m'a dit tout à l'heure, beaucoup même, mais il va revenir beaucoup. Il ne faut pas provoquer les esprits. Jésus même, lui-même, il dit, quand un esprit sort, il va, il cherche, n'y a pas trouvé une place, il revient après. Et la seconde condition devient pire qu'avant. Vaut mieux ne pas être délivré que d'être délivré, puis les démons reviennent après. Il ne faut même pas chercher des délivrants, il faut rester dans ton coin. Quand ils vont, puis ils reviennent là, c'est encore plus dangereux. C'est ce que je voulais expliquer. Donc, comme il y a un problème, tu es venu. C'est un père qui parle à sa fille. Hein? Oui, c'est vrai. Hein? C'est-à-dire, moi, vous me voyez en problème, il faut venir pour le problème. Le problème est réglé, on s'en va, il y a problème, on vient. C'est-à-dire, on ne peut pas vous voir venir faire le culte. Moi, je suis content quand je vois des gens, n'est-ce pas, qui ont été touchés par l'esprit et qui continuent d'entretenir leur relation avec Dieu. Ceux-là, j'accorde plus de temps avec eux et plus d'intérêt. C'est comme vous venez pour quelque chose et une fois que vous avez ça, vous partez. C'est comme ça que Dieu vous voit. Or, au-delà de la guérison ou la délivrance, le Seigneur aimerait que vous puissiez lui appartenir. C'est-à-dire, là, c'est ça qui est important. Quand Dieu te guérit, te délivre, ce n'est pas pour que tu partes, pour que tu marches avec lui. Voilà. Il te délivre pourquoi? Oui, mais tu m'as délivré, bon, je peux rester. On reste à la maison, on suit le Seigneur. T'as compris? Tu es resté, toi. Si tu continues, il y a beaucoup de choses. Tu n'en es pas une. Souvent, rien ne... C'est-à-dire, vous ne voyez pas comme un acquis à 100%. Quand vous délivrez, soyez sur la couverture de Dieu. Quand vous bougez, il revient. Même nous qui prions pour vous, là, et ils nous attaquent. Ce n'est pas vous qui ne savez pas prier que les démons vont pas attaquer. Vous avez compris? J'ai eu la confirmation que...
Ils avaient été attaqués aussi. Hein? Moi, attends que je dors dedans, je me réveille dedans. Je dors, je me réveille et attends. Je combats, je gagne. Je dors, je gagne. Je me réveille, je gagne. Je suis un soldat. Amen. Il faut qu'on organise une veillée, hein. Vous voyez, pardon? Maintenant, la même c'est. Hein? Tu es d'accord avec moi, c'est. On doit maintenant faire veiller. Oui. On est arrivé dans les sida. Il y a longtemps, on n'a pas fait veiller. Il y a longtemps, ça fait un an, deux ans maintenant. Il faut qu'on fasse pour que la nuit chasse les démons jusqu'au matin. Parce que moi, à une certaine heure, je dois arriver. C'est comme ça. Parce que je dois maintenant respecter certaines choses. J'ai perdu du temps, donc je rattrape ce temps-là. Alors, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Alors, comment vous vous sentez, madame? Comment vous sentez? Aidez-la. Ah, elle dit qu'il faut trois personnes. Hein. Asseyez-vous. Mettez une chaise. Faites-la soi. Faites-la soi. Elle est convaincue qu'il faut trois personnes. Comme vous dites, on va pas voir. On se tient debout tout le monde. On se tient debout tout le monde. Levez les mains. Voilà, levez les mains. Que je prie pour vous. Levez les mains.
femmes t'ont vidé et qu'ils ont laissé le noir en toi. Vous déplacez trop le sein. Ici le prophète. C'est mon invité. Ça vous va, monsieur? Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais une petite prière. Hein? Une petite prière. Une prière pour quoi? Ça fait toujours du bien. Oui, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous demandez comme prière? Ah, la délivrance. Quelle délivrance vous voulez? Surtout les problèmes. Surtout sur mes enfants. Sur les enfants qui m'ont abandonné. Mais je vous vois trop, vous savez, je vois trop de vilaines choses dans votre vie. Il faut qu'on parle, toi et moi. Oui. Monsieur, pourquoi on parle? Oui. Tout à l'heure, on va finir, on va parler toi et moi. Oui. On dit la vérité. On l'accuse de la sorcellerie. Mais il a ça. Ah. Mais c'est moi qui peux le délivrer. C'est moi le prophète Krasou qui peut le délivrer de ça. J'ai ce don-là. S'il veut, laissons ça. S'il veut, je le libère de ça. Amen. Amen. Je l'ai déjà vu le dimanche passé. Amen. Quand je l'ai touché, il est tombé. Amen. Et le geste qu'il a fait, c'est l'esprit là qui est là. Amen. Tout à l'heure, je tournais là. Et puis je suis venu, je t'ai dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon en toi. Amen. Et je, quand je t'ai dit, il va parler là. Mais ça provient. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est dans cette polémique-là. Quand vous bouchez là, je connais ça. Je vous ai dit tout de suite, on va aller parler de ça. Parce que si on commence, on ne va pas terminer même. Arrêtez vos commentaires. S'il vous plaît. Non, non, monsieur. Un moment de votre vie, soyez sérieux. C'est-à-dire un moment de votre vie, vous devez comprendre que vous avez besoin d'être sérieux. Et c'est dans le sérieux que Dieu délivre les gens. Ce n'est pas une accusation. À un moment donné, il faut être sérieux. Parce que, comme je dis, la délivrance, ça se désire. Moi, je ne veux pas vous accuser. Loin de moi, ça. Il y a quelque chose qui est en moi qui est trop fort et puissant. Ça ne m'a jamais trompé. Et je le dis et je le répète. Haut et fort. Amen. Moi, je le dis. Levez les mains. Et on va terminer vite, vite. Hein? Puis je prends délivrance. Je prends les gens délivrance. Hein? Parce que moi, maintenant, j'ai décidé qu'à une certaine heure, on ne soit plus dans la salle. Je ne veux même plus qu'à 20h, qu'on soit dans. Quand on finisse, on finit le culte, que chacun regagne, prend son métro, mais quoi, bus. Maintenant, ceux qui ont besoin d'être libérés, eux, ils restent. Comme ça, ça ne dépend maintenant que de vous. Vous comprenez? Et puis moi, je vous consacre mon temps, je prie pour vous. On est d'accord avec ça? Amen. Voilà, parce que j'ai décidé de rester. Normalement, à 18h30, j'ai fini. Maintenant, les 15h, 19h, je dois finir. Voilà. Ouais, non, j'ai décidé de respecter là, c'est comme ça. On a changé, on a tenu le confinement, là, tout doit changer. Amen. Voilà, tout doit changer. Un jour, monsieur, soyez sincère. Voilà. Soyez un jour dans votre vie sérieux
et sincère. Je veux dire, pardon. Messieurs, je vous ai dit tout à l'heure, on allait parler. Donc, donnez-moi la possibilité. Donnez-moi la possibilité de parler avec vous. Ou bien on arrête le débat. On arrête, c'est ça? On arrête de parler ou on parlera toi et moi. Vous voulez plus qu'on parle? Ou bien vous voulez qu'on parle après? Si, 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 si. Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur. Oui, oui. D'accord? Levez les mains. Que la main de Dieu vous bénisse. Amen. Et soyez fortifiés et guéris dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui se sentent dans une situation catastrophique, série, après le culte, restez. Amen. Sinon, on a fini. La soeur, tu restes. D'accord? Tu restes. Le démon a tout que ça part. D'accord? Voilà. Alors, regagnez vos places.